Bonjour, je m'appelle Nicolas Vigneron, je suis Wikimédien à titre bénévole depuis 2004, presque 20 ans, et j'en ai aussi fait par ailleurs ma profession. Depuis quelques années, j'ai fait des formations en auto-entrepreneur à la demande, notamment auprès de l'URFIS ou CFCB ou ce genre d'organismes. Il y a 2 ans, j'ai été Wikimédia en résidence à Clermont-Auvergne, à l'université et à la bibliothèque patrimoniale. Et ensuite, 2022-2023, j'ai été Wikimédia en résidence au musée de Bretagne. Nos deux résidences, moi au musée de Bretagne et Juliette à l'URFIS, se sont chevauchées, ce qui a permis de faire plusieurs contributions ateliers en commun. Elle étant professionnelle de l'information, mais un peu novice en Wikimédia, moi c'est le contraire, on a pu se rencontrer et s'assister mutuellement. On a la chance d'avoir un groupe local d'une dizaine de Wikimédiens, Wikimédiennes actifs qui se rencontrent toutes les semaines de façon informelle, le jeudi soir, et qui organise aussi très régulièrement des sorties photos, des ateliers, des rencontres, des discussions sur beaucoup de sujets qui tournent évidemment toujours autour de Wikimédia. Dans le cadre et comme exemple de ces actions, on intervient régulièrement avec les institutions locales, notamment dans le cadre de la campagne d'ajout de sources OneLimoneRef. On a fait régulièrement, depuis 2015, des ateliers pour former des gens, particulièrement le public documentaliste, professionnel de l'information, à ajouter des sources sur Wikipédia. Ce que j'espère de cette résidence, c'est que toutes les relations qui ont été tissées entre différentes personnes, entre les bénévoles et les professionnels, aient la chance de continuer à travers diverses actions et que du coup, la résidence pourra pleinement porter ses fruits, aura lancé une dynamique qui, je l'espère, perdurera très longtemps.